Nous avons devant nous le tableau de bord. On a à gauche ce que l'on appelle le contour qui compte le nombre de tours du moteur. En accélérant, donc on voit l'aiguille qui remonte. Quand on voit l'aiguille par exemple sur 2, ça veut dire que le moteur tourne à 2000 tours à la minute. Un peu plus bas, donc l'aiguille de température. Alors une des questions qu'il y a aussi dans les questions intérieures du véhicule concerne la température si elle arrive en zone rouge. Donc si elle arrive en zone rouge, c'est le petit truc que vous avez en haut où il y a marqué en mémoire 94 km/h qui vous indiquera donc que la température est trop forte. Donc il y a différents voyants. Il y a donc à droite, on a un petit voyant rouge qui est allumé. C'est le voyant de frein. Donc il peut s'allumer soit si le frein à main est tiré, ce qui est le cas, c'est pour ça qu'il est allumé en rouge, soit si le niveau du liquide, donc le liquide de frein a descendu, est arrivé en dessous de la norme, ou soit si les plaquettes de frein donc sont usées. Donc en bas à droite, vous avez le niveau de gasoil qu'il y a dans le réservoir, donc au niveau de la petite station, la petite pompe à essence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à n'importe quel moment, s'il y a quelque chose de grave qui apparaît, vous avez les voyants stop avec le point rouge central. Donc je vais couper le contact, donc c'est en bas. Donc vous avez le voyant rouge et le stop. Alors pour quelle raison, on peut se poser la question, pour quelle raison tous ces voyants s'allument lorsque l'on met le contact et qu'ils s'éteignent ensuite? Ben la raison est simple, c'est pour donc pouvoir se fier à la fonctionnalité de l'ampoule. C'est pour savoir si l'ampoule n'est pas grillée. Si l'ampoule était grillée, qu'on n'aurait aucun contrôle, en cas de panne, ben c'est sûr qu'elle ne pourrait pas s'allumer. Alors, pour régler les rétroviseurs, nous avons à gauche un petit stick. Donc, on peut le positionner sur gauche pour régler le rétro gauche. On peut le positionner sur la partie droite pour régler le rétro droit. Alors on règle les rétros de façon assez simple. En poussant sur l'avant, on fait donc monter le rétroviseur. Là on voit qu'on va voir le ciel. Et en tirant le rétro vers l'arrière, on le fait descendre. Donc on va aller voir le trottoir. Si on le pousse sur la droite, on élargit le champ de vision sur la droite. C'est-à-dire qu'on va... on va pouvoir le régler au niveau gauche-droite. Et si on le repousse sur la gauche, ben, il revient. Le rétro étant bien réglé, lorsque, donc là il est bien réglé parce qu'on voit dans le coin inférieur gauche du rétroviseur la poignée de la portière arrière. Donc on va régler le rétro gauche, donc il est mal réglé puisque dans le coin inférieur droit, donc côté voiture, on ne voit pas la poignée. Donc je vais d'abord au niveau du petit bouton sélectionner et donc je viens, ça va me permettre de régler ce rétro. Je vais le faire revenir un peu vers moi. Donc je le tire un petit peu. Je fais très exactement au niveau du doigt. Je fais ça pour le faire revenir. Donc là on est revenu un peu trop loin puisqu'on voit que la poignée de la portière arrière a dépassé un peu le coin. Donc je repars un peu dans l'autre sens. Voilà, là on a la poignée arrière. Donc le rétro est bien réglé. Pour le rétro intérieur, on le règle de façon manuelle. On s'arrange pour que l'on voit au niveau des 2 mm du haut là un petit peu le plafond, c'est à dire que là on y est. Il serait mal réglé si on voyait trop le plafond par exemple comme ça, ou si on le voyait pas du tout par exemple comme ça. Donc on le règle de façon à le centrer, et donc ici il serait bien réglé. On a les 2 mm du haut où on voit le plafond. En ce qui concerne l'équipement électrique, on a ici les essuie-glaces. Donc essuie-glaces suite. Donc vous avez ici la manette pour les essuie-glaces. Donc on a les vitesses pour les essuie-glaces, c'est vers le bas. C'est première, deuxième et troisième vitesse. On pousse vers le bas. On a les essuie-glaces là qui marchent en fonction maxi. Pour éteindre les essuie-glaces, on remonte vers le haut. 1, 2, 3. Donc on a les trois vitesses. La première vitesse, c'est la vitesse intermittente, c'est-à-dire l'essuie-glace fonctionne une fois toutes les
Ben, 10 secondes si vous êtes ici sur petite goutte, et plus vous allez mettre sur grosse goutte, plus l'intermittence sera fréquente. C'est-à-dire sur grosse goutte, ça va une fois toutes les 2 secondes. Tandis que si on va mettre sur petite goutte, ça va fonctionner une fois toutes les 10 secondes. Tandis que quand on abaisse l'essuie-glace plus bas, on est en vitesse constante mais lente, et encore plus bas, vitesse constante rapide. Pour faire fonctionner le lave-glace, il faut pincer. On pince vers le volant. On va pincer donc vers le volant, donc vers devant, vers le volant, la petite manette, c'est-à-dire on fait comme ça. Là, vous avez des boutons. Quand vous appuyez vers le bas ou vers le haut, ça modifie ce que vous avez ici à l'écran. Donc, de limiteur, on passe à pas de message mémorisé. On a le nombre de kilomètres de la voiture. On a donc le carburant qui nous reste, qu'on a utilisé depuis la dernière fois qu'on a remis à zéro. Pour remettre à zéro, on appuie simultanément sur les deux boutons. Là, je vais appuyer simultanément sur les deux boutons et je vais remettre à zéro le niveau de carburant qui passe à 0 litre. Voilà. Donc là, j'éteins les essuie-glaces, je monte le truc totalement vers en haut. Du côté gauche, on a là tout ce qui concerne donc l'équipement électrique au niveau des ampoules. Donc quand on met sur 0, on a éteint les feux. Quand on met en position, ça allume l'éclairage du tableau de bord. Quand on met sur feu de croisement, donc on a le petit voyant vert qui est allumé en bas. Et quand on pousse, comme pour le lave-glace, au niveau de l'essuie-glace, quand on pince le truc vers nous, on est en bleu. Et donc on est devant en feu de route. On voit bien la différence. Feu de croisement devant au niveau du mur, au niveau du portail. Feu de route qui éclaire plus loin. Feu de route donc voyant bleu. Feu de croisement voyant vert. Il faut impérativement allumer les feux de croisement pour arriver à faire fonctionner l'essuie-glace, le feu de brouillard arrière. Donc c'est le petit voyant orange que vous voyez sur le cadran. J'éteins le feu de brouillard arrière, j'allume le feu de brouillard arrière, donc qui est interdit par temps de pluie. Et donc si j'éteins les croisements, si je mets en position, si je mets donc comme ça, vous constaterez que les feux de brouillard arrière ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les feux de brouillard allumés en même temps que les feux de position. Il faut impérativement être soit en feu de croisement, soit en feu de route. Voilà. Un peu plus bas, nous avons des petits gadgets. On a ici ce bouton-là qui permet, quand il est au milieu, d'être éteint. Quand on appuie dessus, on va enclencher le petit voyant vert qui est allumé en bas à droite. C'est le régulateur, comme c'est marqué ici. Et lorsque l'on appuie vers le bas, ça va devenir le même voyant, va devenir orange. C'est le limiteur. Le limiteur permet d'empêcher le véhicule de dépasser une certaine vitesse qu'on va rentrer en mémoire. Et donc, on va rentrer ça en mémoire en utilisant ces boutons-là, le moins ou le plus. Ça ne fonctionne que si on roule au-dessus de 30 km/h. Et là, vous aurez le O qui veut dire off et le R qui veut dire run. Donc ici, vous le mettez en action, ici, vous l'éteignez. C'est-à-dire si, par exemple, vous allez vous plafonner à 50 avec le limiteur et que la voiture ne va pas plus vite, c'est en appuyant sur O que ça va vous libérer, que vous allez pouvoir rouler plus vite. On a une petite molette ici qui permet de régler la hauteur des feux. C'est-à-dire si vous êtes en feu de croisement, ce qui est le cas ici, si je monte ou baisse la molette, vous allez voir, regardez voir, devant, donc on peut voir que les feux de croisement ici, ils montent par rapport au portail. On est en train de monter, il éclaire pratiquement la barre, et là, ça va descendre. Donc pourquoi ça a été inventé? Ça a été inventé tout simplement, si vous mettez des sacs de ciment derrière dans le coffre, vous risquez d'éclairer les véhicules qui viennent à contresens. Et donc avec cette, vous avez la possibilité ici de baisser l'éclairage. On a aussi donc ce qu'on appelle les volets d'aération qui sont réglables. Donc c'est pour le conducteur, et les buses d'aération, donc on en a une ici sur le côté, qui permet de désembuer sur le côté la vitre. Donc les buses, c'est des trous fixes, c'est-à-dire là, les trous que vous avez à l'avant, ça permet à la soufflerie d'enlever la buée qui n'est autre que des micro-particules de pluie. Et donc des volets d'aération, on en a 4, 1, 2 sur le côté là-bas
et donc un ici, ça fait 4. Les volets sont réglables, contrairement aux buses qui sont fixes. Des buses, il y en a 6. 2 sur le côté, 2 en haut et 2 en bas pour les pieds. On a ici, donc, pas mal de boutons. Donc, on va commencer par ceux du bas, tout le monde connaît, c'est les feux de détresse. Ici, vous avez fermeture centralisée des portes. Parfois, c'est automatique au démarrage, parfois, ça ne l'est pas. En l'occurrence, là-dessus, ça ne l'est pas. On a ici, donc, la façon de désembuer le pare-brise à l'avant. Donc, il faut impérativement mettre aussi sur une position, je dirais, tiède. Sachant que ici, vous réglez sur froid ou sur chaud. Donc, ça, c'est comme un robinet. Et là, vous avez la vitesse du ventilateur, c'est-à-dire en vitesse 2, 3 ou 4. Le débit d'air sera plus fort. Donc, si vraiment vous devez désembuer rapidement, s'il y a beaucoup de buée, mieux vaut mettre sur 4 et chaud en direction du haut. Je conseille aussi de chercher l'air de l'extérieur parce que là vous avez la possibilité entre chercher l'air à l'extérieur ou chercher l'air à l'intérieur dans le cas où vous seriez dans un tunnel par exemple, il y aurait des oxydes de carbone, d'autres véhicules, ben à ce moment-là on met vers le bas, ça permet de ne pas être intoxiqué par les oxydes de carbone ou si vous êtes dans la nature et qu'il y a les odeurs de la nature comme mettent parfois les paysans de la campagne, et ben ça permet de respirer encore l'air frais correctement. On a AC qui est l'acronyme de d'air conditionné. On a le désembuage arrière qui est électrique. Donc c'est les fils que l'on voit derrière, les espèces de fils que l'on voit derrière. Donc et c'est une intensité électrique qui va réchauffer la vitre arrière et donc va permettre aux microparticules d'eau de s'évaporer. Donc ça c'est en gros, on a tout vu, on n'a pas vu ces différentes positions. Donc ici, c'est en désembuage et vers les pieds. Ici, c'est uniquement vers les pieds. Ici, c'est vers les pieds et frontal. Et ici, c'est uniquement frontal. Donc quand je dis frontal, ça veut dire que ça va sortir uniquement par les buses d'aération. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait généralement quand c'est l'été, quand on met la clim, ça permet à l'air froid de vous rafraîchir. Voilà. Sinon, ben, on a aussi donc ici c'est l'ouverture et la fermeture du débit donc des volets d'aération. J'ai dit buse avant, mais c'est des volets. Les volets sont réglables. Hein, donc, pour faire un petit récapitulatif. Sinon, en ce qui concerne encore les questions intérieures, on a sous le volant, donc sous la clé de contact. Donc, je vais couper le contact. On a sous la clé de contact ici. On ouvre le petit boîtier pour arriver au boîtier de fusible. Donc là, il suffit de tirer dessus et de reclipser. Et sinon, on a sur le côté, donc il faut ouvrir la portière passager. Et on a sur le côté la désactivation de l'airbag passager que l'on a ici, donc sur le côté. Donc c'est un bouton un peu spécial parce qu'il faut l'enfoncer pour arriver à le mettre sur off. C'est pas juste en le tournant, il faut appuyer dessus pour arriver à le mettre sur off. Donc je vous montre, on appuie dessus, ça permet de le tourner. Si vous n'appuyez pas comme ça, il tourne pas. Faut appuyer d'abord et tourner ensuite. Voilà, comme ça vous aurez désactivé. Et maintenant on va faire une petite vérification extérieure. Donc vérification extérieure, alors se rappeler que c'est tout près, la manette est tout près des pieds de l'embrayage. Là il faut tirer là dessus pour arriver à ouvrir le capot. Le capot, il s'ouvre donc sur ce type de véhicule. On voit à l'intérieur, il faut appuyer. Donc, le mécanisme est très simple. Hein, c'est en appuyant dessus que l'on va permettre à ce petit crochet qu'il y a là de se décapsuler de là. On a le levier en jaune. Le levier en jaune, on va le mettre. On va le mettre ici. Et donc, on a tout ce qui nous intéresse qui est en jaune. Donc on a le niveau de liquide de frein, le liquide de refroidissement, la jauge de carburant, l'endroit où on met l'huile moteur, et le dernier truc qui nous intéresse en jaune, c'est le liquide de lave-glace. On a à côté une petite vis ici, donc celle que je vous montre avec le doigt.
Donc juste à côté du liquide lave-glace, c'est la deuxième des petites vis qui permettent de régler, mais c'est uniquement le mécanicien qui le fait, correctement les optiques de phare. Donc quand on parle d'optique de phare, c'est toute cette partie que je suis en train de filmer maintenant. À l'intérieur des optiques de phare, on a les feux de croisement qui sont à l'extérieur. Donc c'est très facile de s'en rappeler parce que si vous croisez des véhicules la nuit, ben ils ont plutôt intérêt à connaître votre largeur. C'est la raison pour laquelle on les a mis à l'extérieur. On a les feux de route qui sont en haut et en bas, les feux de position. Donc les feux de route et les feux de croisement sont des phares halogènes, comme on appelle ça. Et donc il ne faut pas les tenir avec les doigts, il faut les tenir, sinon ça réduit leur durée de vie. Il faut tenir ça avec un sopalin ou un papier quelconque ou un chiffon, en tout cas absent de tout produit, de